Salut tout le monde! Alors, il faisait beau, il fait plus beau. Donc je vous accueille dans ce ciel, avec ce ciel nuageux. Mais bon, il pleut pas. Pour l'instant. Donc aujourd'hui, je vais vous parler d'une plante médicinale qui est la salsepareille. Donc pour ceux qui l'ont connu, les schtroumpfs doivent connaître, parce que c'était la plante que les schtroumpfs mangeaient, celle qui fait les baies rouges. Ah, un VTT, va-t-il le voir? Il ne m'a pas vu. Ils ont tous des VTT de feignants, avec des moteurs là. Donc je disais, ça se pareil aujourd'hui. Allez, c'est parti. Je suis en train de chercher un beau sujet. Et je crois que j'ai trouvé. Alors il y en a un peu partout. Il y a celui-là, là, qui est pas mal. Voilà. Une belle sauce pareille qui monte, qui monte. Alors voilà le sujet. Donc, c'est une plante lianescente qui est non comestible à part les petites feuilles comme ça rouges. Je sais pas si il va faire la flamme. Quand ils sont rouges comme ça, jeunes, vous pouvez les manger, moi j'adore. Mais il vaut mieux éviter. Mon organisme à moi le digère, mais peut-être que d'autres. Bref, donc je disais, c'est une plante qui est lianacée, qui fait une genre de liane. Elle est épineuse, donc elle a des épines tout le long de la tige. Donc elle a des feuilles alternées en forme de cœur, très jolie. Et elle monte aux arbres un peu comme les lianes, le lierre, etc. On va essayer de trouver les petites baies rouges pour vous montrer, qui sont hautement toxiques. Donc voilà les baies de la sas pareil. Donc c'est pas cette plante-là. Hein. Comme c'est une plante grimpante, elle s'est accrochée à celle-là. Mais ça c'est une. Ah, ça c'est un chèvrefeuille en fait. Un jeune chèvrefeuille qui s'est fait bouffer par je sais pas, des limaces. Bref. Et ça c'est le fruit de la salse pareille. Voilà. Très 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 toxique. Très riche en tanins. Mortel même, on peut dire, à ce qu'il paraît. Alors, cette plante, elle est intéressante. Pas pour ses feuilles. Non plus pour ses fruits. Mais pour sa racine, comme souvent dans les plantes médicinales, il y a souvent la racine qui rentre en jeu. Donc j'ai mis un petit gant parce qu'elle est coupante, enfin elle est piquante plutôt. Et je vais essayer de vous montrer une petite racine. Donc c'est une plante invasive. Hein. Donc on peut se permettre de prendre un sujet sans mettre en péril l'espèce. Donc comme la plupart des plantes, elle est diurétique, astringente. Elle a d'autres propriétés comme dermatologique. Elle traite l'eczéma, le psoriasis, l'acné même. Très très bon. Elle traite les calculs rénaux, les troubles digestifs, les problèmes d'urée, etc. Et, à ce qui paraît, elle traite aussi l'impuissance. Donc elle provoque, elle augmente la libido. Mais toujours que les racines. Donc il faut compter 50 g de racines par litre d'eau.
à boire 2-3 tasses par jour. Et voilà, le tour est joué. Donc assez parlé, je vais essayer de vous montrer ça. Voilà. Voilà. Alors ça, c'est la racine. C'est la racine de la salse pareille. Je sais pas si vous voyez bien, je pense que vous voyez bien. Donc coupé grossièrement, hein. Coupé grossièrement. Et vous faites une petite infusion. Une petite tasse 3 fois par jour. Donc superbe. Mais c'est pas fini. C'est pas fini, mes amis. Parce que je pense qu'il y a une autre utilisation qu'on peut faire avec cette plante. Donc on va voir ça ensemble. On va voir ça. Donc là on en a une belle qui monte. Même faire de la vannerie, peut-être. Faire des petits paniers en sas pareil. Ça, c'est pas pareil. Faire des petits paniers en sas pareil. Vous avez compris un petit peu? Ça va, j'arrête. Donc, c'est pas tout. Maintenant, il faut préparer le cordage. On pourrait le laisser comme ça, hein. Mais. Il y a des pics. D'ailleurs, je me suis piqué. Donc, on va un peu nettoyer tout ça. J'ai pas dû assez écraser les fibres. Encore cassé. Premier échec. Donc en fait je voulais vous montrer si c'était possible d'attacher un hamac avec. Donc on va quand même faire un petit test du sac, hein, pour pas partir 100% défaitiste, accrocher son sac à un arbre. Allez, on va voir ça. Bingo. Confirmation de la résistance de cette liane AC. Et je suis sur une belle branche de bois gras qui est morte. Donc peut-être même sûr. Un peu de récup s'annonce. Ça y est, comment ça peut voir? Je reçois des gouttes. Donc je vais vous laisser là. Donc à approfondir cette plante au niveau du cordage. J'en avais parlé qu'il fallait que je me mette à la vannerie. J'ai
plein d'amis qui font de la vannerie. Je connais quelques bases. Et j'ai toujours pas passé le pas. Bon, y a un peu de monde là. Malgré le temps, c'est bien. Les gens sortent, ils ont raison, on est dimanche. Pour finir avec cette plante, pour mes potos qui vont se reconnaître, c'est qu'on peut se faire une petite liqueur avec. Donc je vous mettrai la recette. Je sais que c'est. Il faut remplir une bouteille d'un litre de fleurs. S'il fait des fleurs blanches, j'essaierai de vous mettre ça en photo. Peut-être là, là. Et vous faites une bonne liqueur à goût un peu de vanille. Un goût très 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 propre à cette plante. Donc voilà, malgré les baies toxiques et les mauvaises choses qu'on dit sur son côté invasif, qui n'est pas mortel pour les plantes bien sûr, mais qui reste invasif quand même. On peut le voir ici dans le sud. Mais on en trouve partout, hein. On appelle la sarsaparille d'Europe. On a tout l'Europe, vous en trouvez. Et voilà, donc j'arrête avec ça. Hop, c'est bouclé, c'est bâclé, tac, pouf. Je vous dis à très vite, merci d'avoir visionné. Ah, je vous laisse avec un sujet, je vous disais, un petit gré là. Mais ça ne veut pas dire qu'elle est malade, la plante. Et je vous rappelle, non comestible les feuilles. Hein. Que les racines et les jeunes pousses. Allez, ciao. Alors désolé, vous n'allez rien voir. Et je suis en train de rentrer là. Et je suis tombé sur ce coin de sarsaparille. Donc c'est énorme. Ça. Voilà, alors, comme par hasard, il y a une lampadaire. Donc c'est cool. Alors tout ça, c'est de la sarsaparille qui recouvre un chêne vert. Donc imaginez la puissance que ça a, cette plante. Là aussi, il y en a. Et en fait, dans tout ce coin là, c'est plein. Donc je sais pas en fait si c'est pas nuisible. Parce que j'avais dit que c'était pas nuisible, mais j'ai un doute maintenant. À vérifier.